Bonjour à tous, c'est Brice. Aujourd'hui, on va tenter un petit challenge. On va essayer de battre le Broly Endurance, donc le boss à 50 stamina qui possède beaucoup de défense sans utiliser la moindre unité capable de réduire grandement sa défense. Donc, présentation de la team, double SSJ4 Goku, Gogeta, SSJ3 Kid Goku, GT, le SSJ3 Vegeta, Pan. Elle est là, elle peut stun à hauteur de 20% je crois lorsqu'elle lance une attaque SP. Et puis c'est la seule unité il me semble qui permet à la team, à cette team puissance de se soigner. Elle récupère 25% des dégâts infligés. Et le SSJ3 Vegeta GT. Donc normalement j'ai vérifié, aucun d'entre eux possède la compétence qui réduit grandement la défense de l'adversaire. Deux items de soins, un petit ghost et un petit Enma. Et on va peut-être changer les items, on va peut-être ramener un item de boost. Parce que je pense qu'on en aura bien besoin les amis. On va claquer ça. J'irais même, on va claquer, on va réduire, on va virer le ghost. Voilà. Et on va ramener lui là. Hop. Et donc c'est parti les frères. Donc challenge compliqué, comme tu le sais, parce que le boss a beaucoup de défense. Et donc, la plupart du temps, on va lui faire zéro dégâts. Sauf que, dans cette team de Fifou, on a des unités qui possèdent beaucoup d'attaques. Et en fait, c'est ça le secret. C'est que, si l'adversaire a beaucoup d'attaques, comment tu fais pour lui faire du dégât? Soit tu réduis sa défense, soit tu augmentes la force de frappe. Hein. C'est juste des maths. Donc... pour lui faire des dégâts, c'est simple, il faut avoir une valeur d'attaque supérieure à sa défense. Ouh là là, la pan qui a pris un max de ki, elle n'en a pas besoin, elle part en spé avec seulement 9 ki. Pour activer cette fonction, il te faut avoir une spé 5 avec la pan. Elle se drop, tu peux la drop tous les lundis en faisant l'event pan abeille, hein. T'as une très faible chance de la dropper. Et si tu la drop, hein, essaye de fusionner les différentes unités. Et dès que tu es SP5, tu peux lancer ta SP donc à partir de 9. Comme d'habitude, petit message. Hein, je compte sur vous, la top tier famille, pour mettre un maximum de pouces bleus. On va essayer de faire en sorte que cette vidéo se passe bien. Donc à chaque pouce bleu, c'est un petit soutien. Et ça fait plaisir. Et c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à les fouer. On va laisser... on va peut-être laisser Gogeta dans la rotation. Je sais pas, j'en aurais bien besoin. Parce que dans le cas où ça se passerait mal, on aurait bien besoin du SSJ3. Donc bon allez, tu sais quoi, on va faire ça. Ça au moins tout le monde part en spé. Tac. Lui il part en spé avec 2. Juste avec ça. Et notre SSJ4 à nous partir en spé avec ça. Bon, ça me fait un peu mal au cœur de sacrifier mon propre SSJ4. Mais bon, c'est comme ça, parfois on n'a pas le choix. Vaut mieux, je préfère garder Gogeta. Bim balaboum, on n'a pas eu le temps de cligner des yeux qu'il est déjà mort. Un petit million de... Son arme n'est pas à 100%. Et puis, il n'a pas fait de coup critique, hein. Il aurait fait le critique. On aurait touché 1,5 million et des poussières. Donc là, il peut nous faire très très mal. Donc on va mettre ça. Quoique j'ai envie de contre-attaquer avec notre ami, comment il s'appelle, le SSJ4. Je suis tenté quand même. Oui, on va faire ça. Et puis il faut savoir que après avoir lancé une attaque SP, il va augmenter sa défense de 30%. Donc petit check de sa défense, il a 24 000, ce qui est pas mal. Il a autant de défense que le SSJ3 Vegeta GT qui a un boost de 70% au niveau de la défense. Mais lorsqu'il va attaque SP, il va gagner 30% supplémentaire. Donc x 3%, c'est à peu près. Il va peut-être gagner 6 000, donc il va arriver à 30 000 au niveau de la défense. Finalement, il garde sa défense pendant 6 tours. Ensuite, on va garder peut-être la pente dans la rotation. On va voir. Est-ce qu'on a besoin de. Alors, soit elle stun, si elle stun pas, au moins elle peut nous soigner. Ah, quoique, on fait 0 dégâts, j'avais oublié. Ah, du coup, j'ai ramené pour rien. Bon, c'est pas grave, hein, elle était juste là pour le lien et donne ki plus 3, ki plus 2 vu qu'il a le lien GT. On va essayer de claquer un petit item, histoire de les fouer. On va claquer celle-là. Attaque plus 20%.
C'est toujours bien des boosts d'attaque sur le Goku, hein. Là, il a quasiment 230 000 en valeur d'attaque. Quand il part en spé, il va te faire le 1 million et quelques. 1 million 2 de valeur d'attaque. Normalement, on fait pas de dégâts à ce Broly, normalement. Eh oui. Et il a senti passer le Kamehameha. Et là, regarde, les autres, quand ils vont attaquer, ils font 0 dégâts. Pourquoi? Parce que leur valeur d'attaque n'est pas supérieure à la défense de ce Brolix. Et du coup, voilà, on lui gratte le dos. Les seules unités capables de lui faire des vrais dégâts, c'est notre ami SSJ4. Alors peut-être que le Gogeta va pouvoir transpercer sa barrière. Bon, on va faire ça. On va garder lui dans la rotation parce que, comme j'ai dit, hein, si on a un problème, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un pour bloquer. Et en théorie, Gogeta a assez de puissance de feu pour transpercer sa défense. Enfin, pas transpercer, mais comme sa valeur d'attaque est supérieure à sa défense, donc du coup, on lui fait des vrais dégâts. Tu vois, personne ne lui fait des vrais dégâts pour l'instant. Ah, petit message de YouTube, merci beaucoup. 500 000, tranquille, hein, le Broulix. Voilà, on lui a mis double fessé au KLM. 500 000. Bon, il aurait pu faire un critique pour finir le combat. On peut pas tout le temps avoir ce qu'on veut. Alors, double attaque de SSJ4. On peut peut-être tenter le one shot. On va essayer. C'est dommage qu'on n'a pas le SSJ3. Ah, l'item est toujours actif. Le petit boost de 30%. Bim, regarde, tac, tac. Ah, on va peut-être garder celui-là. Le SSJ4 de l'ami leader. Alors, tu vois, ma défense est quasiment à 30 000, comme j'ai dit tout à l'heure, comme j'ai attaque spé. Ben, ma défense a été augmentée de 30%. Et donc, ça, c'est cool. Ah, quoique, non. Attends. J'ai pas vérifié. Ça se trouve, son arme, il est hyper développé à celui-là. On va voir. Ah oui, quand même, plus 2700. Ah oui. Ah oui, il a tryhardance, quoi. Il a débloqué 50% de son arme. Ah oui, d'accord. Ça explique beaucoup de choses. Pourquoi il a autant de défense et moi, j'en ai beaucoup moins. Ah, le Kokeng, il a quand même 8, donc 16% en critique et 18% en coût supplémentaire. Donc ça, ça permet de faire plus de dégâts sur le bon type. Je crois qu'il faut convertir ça en pourcent, donc c'est 12% supplémentaire, si je dis pas de conneries. Et ça, ça permet de subir moins de dégâts sur le bon type. Ça, ça permet d'augmenter la puissance des attaques SP, donc on fait plus de dégâts. Au max, je crois qu'on peut augmenter à 40%, donc c'est bien aussi de maxer ça. Et ça, ça permet de se soigner. C'est pas hyper intéressant. Mais bon. Je pense que on peut peut-être lui casser la tête là. On a besoin de 3 ki. Voilà. Lui part en SP. Et puis le nôtre. Attends, est-ce qu'on peut pas claquer autre chose? Non. Même s'il attaque SP, on devrait survivre. Enfin, je crois. Il tape sur le mauvais type déjà. 4 barres de vie. Ah mince! Oh non! Oh non, je me suis trompé d'écran. Ah, j'ai cru que j'étais... Ah mais non. Oh mais non, j'ai cru que j'étais là. Ah merde. Vu que la... Oh non, je fais une connerie. Oh, je suis tellement déçu là. Oh, ce fail. Oh, j'ai la flemme de reset. Ça se trouve, il est déjà mort. Eh ben, j'ai pas eu le temps de jouer. Hein, c'est quoi ces vidéos qui durent 2 secondes? Là, je comprends pas. Et pourtant, Pan a juste un lien GT, il a pas de lien qui booste l'attaque. Bon, après j'ai tapé avec l'ami leader qui a un arbre bien conséquent, mais je pense que j'aurais pu lui casser la tête avec le mien aussi, hein. Donc voilà. Bon bah du coup, si je suis en galère de médaille de Broly, bah je vais le farmer comme si je farmais des Saibaman, hein. Je pars avec les J4, pas besoin de réduire sa défense, pas besoin de paniquer. Après, j'ai quand même claqué un item histoire de augmenter davantage, enfin pour augmenter davantage la valeur d'attaque. Peut-être que c'était pas forcément utile. Le SSJ4 et le Gogeta, ils ont une attaque supérieure à sa défense, donc à chaque fois on lui fait mal. Hein. Et voilà les fouères, la puissance des SSJ4 est incroyable.
Ils ont craqué les développeurs, hein. Ils se sont dit, bon bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tiens, on va encore augmenter les valeurs d'attaque. Maintenant, avec le SSJ4, on peut faire les dégâts maximum qui est de 99 999 000. J'ai vu 2-3 screenshots sur Twitter. Un coup critique sur le bon... Non, pas sur le bon type, mais sur le boss sur lequel tu peux transpercer sa barrière. Bah voilà, 99 millions... C'est vrai que c'est un peu n'importe quoi, mais bon, hein, on va pas cracher dessus, ça fait plaisir de voir des dégâts de cette qualité. Donc voilà les foyers, donc si vous avez droppé le SSJ4 au Goku, et si vous avez besoin de farmer l'event Broly, pas de panique, vous n'avez pas besoin d'unité qui réduit grandement la défense de l'adversaire, vous y allez comme ça à la one again, vous laissez juste le SSJ4 partir en spé, et vous allez donner une double fessée à ce Broly. Voilà, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo, n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu pour le soutien, et si c'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Une dernière chose, tu peux retrouver ces produits dans ma boutique, le lien se trouve dans la description. Si tu veux voir mes précédentes vidéos invocations, clique sur la playlist de gauche, sinon j'ai aussi une playlist consacrée à tous mes guides, il te suffit de cliquer sur la playlist de droite. Alors petite nouveauté, ces liens sont désormais cliquables même sur mobile.